Depuis quelque temps, en Côte d'Armor, sur les rivages déchiquetés de l'île Grande, des cairns surgissent comme par magie. Certains pensent aux Korrigans, d'autres ont l'impression que c'est l'esprit des druides qui ressurgit. Dans les journaux, on en parle, dans les commerces, on en discute. Moi, je ne sais pas du tout. Je pense que ça fait une dizaine d'années, là. C'est arrivé comme ça, je ne sais pas qui c'est qui a emmené cette mode, là. Et on a vu les cailloux, voilà, arriver. Ça se fait, mais je ne sais pas d'où ça vient. Tu n'as pas de, parmi tes connaissances ? Pour moi, ce sont les enfants de l'île, ou les gens qui viennent en vacances. Mais surtout les enfants de l'île, il me semble. On ne sait pas d'où ça vient, c'est une personne qui a commencé, et puis voilà. Ce serait plutôt les adultes, hein. Le mystère sur l'origine des cairns n'est pas encore levé, qu'importe. Les gamins continuent à surgir de la lande, tels des farfadets en goguette, à chacun son monde et son totem en pierre. Il y a le gros là-bas, ça fait une sorte de canard. Là-bas, on dirait aussi un animal avec une oreille, avec sa tête. Une sorte de fantôme qui n'a pas de pattes. Pour moi, un gros caillou, c'est un adulte. Un petit, c'est un enfant, un bébé. Et il y en a qui ne font pas partie de la famille, donc ils tombent. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que quand tu l'empiles, tu te dis que tu es en train de remplir une maison toute seule. Parce que quand tu as des maisons toutes seules, ça fait moins joli que quand tu as plein de familles partout. Donc là, il y a le bébé, là, il y a la grande sœur, là, c'est le grand frère, l'autre grand frère. Ça, c'est maman, ça, c'est papa, ça, c'est mamie et ça, c'est papy. Des fois, à la maison, je m'ennuie. Et donc, du coup, je viens ici. Et vu que j'ai eu un tonton qui est mort, je me sens proche de lui. Je prends un petit caillou comme ça. Je mets un en dessous. Et deux à côté, là. Et là. Enfin, je fais un tas, mais je mets tout le temps ce signe en dessous. Pourquoi ? Je sais pas, je l'aime bien. Puis je me sens super bien. Et même si les cairns sont renversés par les tempêtes, ils reviennent inlassablement. Des petits tas de cailloux qui poussent et qui repoussent, comme pour nous rappeler l'origine du monde ou la poésie de l'enfance.